Est-ce que si votre femme a plus d'argent que vous, elle a le droit de vous tromper? Ah, je respecte. Vous blaguez quoi? Oui, elle a plus d'argent que vous. Non, elle n'a pas le droit de me tromper quand même. Aïe! Si c'est toi qui as beaucoup d'argent, oui, et que lui n'a rien, est-ce que tu as le droit de le tromper? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc tu te trompes? Bien sûr. Sérieux? Oui. Est-ce qu'une femme peut seulement se faire plaisir d'un homme? Pardon? Oui. Jamais. Moi je trouve pas. Tiens, l'autre non, même ta... Je ne rêve même pas me marier. Pourquoi? Non, ne me pose pas le genre de questions. Tu là. Ne rêves pas te marier comme non. Non, tu préfères pas donner ses mains comme ça sans je ne partage même pas. Tu ne partages? Ah bon? Tu vas aller à l'église, tu veux devenir sœur? Ni église, ni rien. Ok. Tu fais donc quoi avec tout ce que Dieu t'a donné là? Il m'avait donné pour moi, il m'avait donné de partager. Mais quand il te donne, c'est pour que tu partages. Jamais. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. 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 Moi c'est Francky. Moi c'est Karen. Moi c'est Pierre. Moi c'est Daniel. Moi c'est Boris. Moi c'est Fabri. Moi c'est Brandon. Moi c'est Bokit. Moi c'est Ben Ali. Enchanté. Alors si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, nos internautes aussi. Est-ce que si votre mari a plus d'argent que vous, beaucoup d'argent, il a le droit de vous tromper? Est-ce que si votre femme est riche, elle peut vous tromper? Wow. Bon, c'est, tu sais, les femmes même sont très compliquées. Mmh. Et la majorité des femmes qui ont l'argent, ils sont infidèles. Oui. Et même leur argent, ça leur permet de travailler avec certains gens. Mmh. Et dans ces contextes, elles peuvent vous tromper aussi. Mmh. Moi, personnellement, je n'accepte pas ça. Donc, tu refuses qu'elle te trompe? Oui, je refuse. Oui, mais parce que la relation, c'est aussi la base. Du moment où tu dis non, oui, elle te dit, bon, tu peux sortir de ma maison, vous vous séparez. Bon, c'est mieux comme ça. Je préfère ça, de garder ma dignité, et que de vivre... Que de vivre ça. Ça, oui. D'accord, je te remercie. Ok. Mais non, non, non. Je ne pense pas. Non. 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 Non, non. Ouais, parce donc, que... tu es contre la polygamie. Contre. Même s'il a beaucoup d'argent, genre, il peut te mettre dans ta maison, il met ta co-épouse ailleurs, vous ne vous voyez pas. Je ne tolère pas. Tu ne tolères pas. Et toi, monsieur, si c'est que votre femme a beaucoup d'argent, est-ce qu'elle a le droit de vous tromper? Non, non, non. Mais pourquoi ça? Elle n'a pas le droit de me tromper. Bon, moi, je... Excusez-moi un peu, moi, je pense que... Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager son partenaire avec une autre personne. Ça, c'est naturel. Oui. Chacun voudrait avoir sa personne, bon, je ne sais pas. Mais c'est l'égoïsme humain, c'est l'égoïsme. Non, je ne pense pas. Si l'homme a, il doit partager aussi ce qu'il a, il peut partager ses biens. Tu as beaucoup d'argent, tu trompes ta femme, c'est normal, non? Je n'accepte pas que ma femme me trompe si elle a beaucoup d'argent. Et si c'est toi qui as beaucoup d'argent? Si c'est moi qui ai beaucoup d'argent, je ne peux pas aussi tromper ma femme. Donc pour toi, la polygamie, ce n'est pas... Ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Je dois être fidèle à ma femme. Et quoi que toi aussi, tu partages le même avis? Oui, je ne sais pas. Elle peut me tromper dans quel sens? Déjà, elle est riche parce qu'elle est riche. Elle se permet de sortir avec d'autres hommes devant toi. Devant à mon... Non, non, à ma... tu es au courant. Elle a le droit de te tromper juste parce que bon, tu ne fais rien. Et c'est elle qui gère toutes les finances. Non, 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 non. Pourquoi? Moi, parce que déjà, j'ai des valeurs chrétiennes. J'ai été éduqué dans un environnement où on m'a inculqué les valeurs chrétiennes. Mm-hmm. Ce qui fait que pour moi, je ne conçois pas... Ni que ma femme me compte, ni que moi je compte ma femme. C'est-à-dire que le moule dans lequel j'ai été bâti ne me permet même pas d'envisager ce genre de possibilité où ma femme viendrait à me compter avec quelqu'un d'autre. Je te remercie, mon frère. Merci. Non, je ne crois pas. Genre, c'est elle qui paye tout, hein. Tu ne fais rien. Tout l'argent, c'est elle. Est-ce qu'elle a le droit de te tromper?
Je ne crois pas. Et si c'est toi qui as tout l'argent, est-ce que tu as le droit de la tromper? Non, je ne crois pas toujours. Ah bon? Oui, oui, je suis chrétien. Donc. Tu es chrétien, donc chez les chrétiens, on ne trompe pas. Non, chez les chrétiens, on ne trompe pas. Je te remercie. Non, non, ils n'ont pas le droit. Pourquoi ça? Parce qu'une femme doit être fidèle. Mais qu'est-ce qui l'empêche justement de te tromper? Même si elle a l'argent, plus que moi, ça ne la donne pas le droit de me tromper. Ah bon? Oui, oui. Et si c'est toi qui as l'argent, donc de l'autre côté, donc on renverse la question. Déjà, c'est toi qui as tout l'argent de la maison, c'est toi qui gères toutes les factures. Est-ce que tu as le droit de prendre une deuxième femme ou bien de tromper ta femme? Oui, oui. Pour moi, il n'y a pas, pas qu'un homme peut tromper sa femme. Hein. Parce qu'avec beaucoup de femmes qu'on voit dehors, là, oui, vraiment, on ne peut pas laisser passer. Oui. Oui, oui, donc... On donc, a... pour l'homme, c'est normal. Non, c'est normal. Et pour la femme, non, c'est non, pas non, normal. Non, c'est même pas normal. Mmh. Pour la femme, c'est normal. Mmh. Pour l'homme, oui, plutôt, c'est normal. Mmh. L'homme a même le droit de prendre 100 femmes, s'il est capable d'entretenir. D'entretenir. Oui, oui. Mais pour la femme, non, elle doit être fidèle à son mari. Non, la polyandrie, c'est pas normal. Une femme ne peut pas avoir deux maris. Non, 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 non. C'est ça. C'est écrit nulle part. Mais tu es pour la polygamie quand même? Oui, oui, car je suis d'abord dans une famille polygame. Donc, du coup, si mon père a eu deux femmes, moi-même, je parle ma voix saine. Hein. Je te remercie, mon frère. Non, jamais. Et pourquoi ça? Elle a beaucoup d'argent. C'est elle qui gère les factures. Pourquoi elle ne te trompe pas? C'est l'homme qui est censé gérer le foyer. Oui, mais ça va arriver. Peu importe ses difficultés. Et la femme aussi appelée à soutenir son mari. Mm-hmm. C'est pour ça qu'elle n'a pas droit, elle n'a pas ce droit. Même quand on lit, même quand on fait les recherches des religions, ça n'autorise pas la femme d'avoir un autre homme. Mais la polyandrie existe. Ça existe chez l'homme, mais pas chez la femme. Oui, mais chez l'homme, c'est la polygamie, chez la femme, c'est la polyandrie, et la polyandrie existe. Pas chez nous, Africains. Donc en Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en Afrique. D'accord. Ah, elle a le droit parce que je sais que si j'ai une dame, je peux sortir de la maison. Oui, parce que tu à tout moment. Oui. Mais tu la laisses, tu ne supportes pas et ton orgueil d'homme. Tu laisses ton orgueil. Que tel, je sais que quand elle trompe là, il veut utiliser son argent pour s'y tromper. Ah, donc ton but c'est que tu te calmes pour après utiliser son argent et la tromper avec. Oui. Est-ce que c'est normal alors? Non, c'est pas normal, mais c'est pas aussi normal qu'elle me trompe. Oui, mais tu as accepté qu'elle te trompe, tu pourrais refuser. Et c'est comme ça aussi qu'elle doit accepter que je lui trompe. Non, mais c'est pas normal parce que si tu acceptes. Ça veut dire que tu lui as dit que bon, comme tu as beaucoup d'argent, j'accepte que tu me trompes. Hein? Mais du moment où tu avais dit, parce que la relation c'est au début, si au début elle avait commencé, tu as dit que non, tu ne veux pas. Tu menaces même de sortir de la relation, tu vois. Ouais. Peut-être elle aurait changé, mais du moment où tu as accepté déjà. Mais ça, le fait d'accepter, elle-même l'aurait peur. Oui. Que si j'accepte, ça veut dire que j'ai quelque chose derrière la tête. Oui. Donc elle-même l'aurait peur. Donc comme j'accepte là, elle va arrêter. Ah, bah, oui. Parce qu'elle sait que moi aussi je pourrais faire la même chose. Et je veux utiliser son argent pour sponsoriser ma relation. Voilà. Et si tu l'aimes? Mais si je l'aime, hein, je sais pas, je vais essayer de faire ça en discret, sans qu'elle ne le sache. Oui. Je te remercie. Merci. Je ne rêve même pas me marier. Pourquoi? Non, ne me pose pas le genre de questions. Tu là. Ne rêves pas te marier quand même? Non. Non, tu préfères pas donner ses mains comme ça sans je ne partage même pas. Tu ne partages même pas. Tu vas aller à l'église, tu veux devenir sœur. Ni église, ni rien. Ok. Tu fais donc quoi avec tout ce que Dieu t'a donné là? Il m'avait donné pour moi, s'il m'avait donné, il partage. Mais quand il te donne, c'est pourquoi tu partages? Jamais. Ok. Attends, demande à tout le monde, on va te dire. Pas dit donc partage. Tu vois que Dieu te donnait ça pour rien. Il y a un verset dans la Bible qui dit partager. Bien sûr. Allez, multipliez pour remplir la terre. C'est pas ce qu'il a dit. On peut se multiplier autrement. Comment? C'est vous qui avez dit. Bon, comment on se multiplie autrement? Explique. C'est privé là-bas, c'est mon secret. Moi. Donne ton secret, non? Ça peut aider d'autres je filles qui, comme toi, refusent de partager. Je ne partage pas mon secret. Ah bon? Oui. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Pardon. Ok. Bon, je te remercie bien quand même d'avoir répondu à la première question. Si ton mari a plus d'argent que toi, il a le droit de te tromper? Ça dépend. Ça dépend comment? Tu dépends totalement de lui. Donc, genre, si c'est qu'il te laisse tomber là, c'est foutu. Est-ce qu'il a le droit de te tromper? Non. Pourquoi? Mais si, de son point de vue, si c'est un homme qui aime les femmes, oui, il va sauf que me tromper parce qu'il ne sera pas satisfait à la maison. Il, oui, va toujours aller dehors. Mais moi, je vais rester sa femme de la maison. Oui, mais toi aussi, si c'est toi qui as beaucoup d'argent, oui, et que lui n'a rien, est-ce que tu as le droit de le tromper? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc tu le trompes? Bien sûr. Sérieux? Oui. Est-ce qu'une femme peut seulement se faire plaisir d'un homme? Oui. Jamais. Moi, je trouve pas. En même temps, quand il a son argent là, oui, il ne doit pas te tromper.
Mais quand toi, tu as ton argent, tu dois le tromper. J'ai bien dit ceci, qu'il peut me tromper s'il a son argent. Moi, est-ce que tu es d'accord qu'il te trompe d'abord? Bien sûr, je suis d'accord. Puisque... Ou comme tu vas aussi le tromper. Voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Je te remercie. Si votre femme a plus d'argent que vous, est-ce qu'elle a le droit de vous tromper? Cette question déjà me fait rigoler. Bon, si réellement ma femme a beaucoup d'argent, plus que moi, elle n'a pas besoin de me tromper. Est-ce qu'elle a le droit? Parce que déjà, si elle a beaucoup d'argent, rien ne t'empêche, rien ne l'empêche de te tromper. Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le, droit de me tromper parce que c'est chez moi qu'elle a, c'est seulement qu'elle vit. Non, mais tu peux aussi être chez elle. C'est elle qui a beaucoup l'argent. Non, l'argent, alors, la fée d'argent. Moi aussi, je peux avoir de l'argent. Non, non, on suppose qu'elle a plus d'argent que toi. Toi. Elle a plus d'argent que moi. Mm-hmm. Donc, non, elle n'a pas le droit de me tromper. Et pourquoi? Parce que moi, je suis son mari. Oui. Elle a beaucoup. Je suis son mari, je suis le père de ses enfants. Oui. Non, elle n'a pas le droit. Ou si elle veut me tromper, soit je me divorce en fait. Mm-hmm. Donc ce n'est pas au cours de son argent que non, elle me trompe parce qu'elle a plus d'argent. Si elle a plus d'argent, pourquoi elle accepte de vivre avec moi? Mm-hmm. Elle n'a pas le droit de me tromper. Elle n'a pas le droit de me tromper. Elle n'a pas le droit de me tromper. Je te remercie. Merci mon frère. Est-ce que si votre femme a plus d'argent que vous, elle a le droit de vous tromper? Vous blaguez quoi? Oui, elle a plus d'argent que vous. Non, elle n'a pas le droit de me tromper quand même. Mais sinon, pourquoi ça? Non, parce que, non, ça ne peut pas dire qu'elle a plus de moyens qu'elle me trompe quand même. Mais non, oui, c'est parce pas logique. Qu'elle a plus de moyens, te trompe. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même si moi qui ai plus de moyens, plus qu'elle, je peux pas la tromper. Ah, donc c'est... si c'est l'inverse, tu ne la trompes pas? Non, 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 je peux pas la tromper parce que je peux pas dire que j'ai plus de moyens pour que je fasse le désordre quand même. C'est oui, pas mais logique. En même temps, tu peux la tromper sans faire le désordre. Tu cherches même une deuxième femme, une troisième femme, il n'y a pas de problème. Non, en fait, si on est des polygames, donc on peut chercher des deuxièmes. Non, mais pas si. Est-ce que si tu as beaucoup d'argent, tu le fais? En fait, l'argent, bien sûr, parfois, ça rend un peu... Tu vas se faire sortir de la haute, bien sûr, mais je ne peux pas la tromper si j'ai mes conditions comme si j'ai trop de l'argent pour la tromper, donc ce n'est pas logique. Et en plus, si c'est elle, donc ça a vraiment... C'est désolé. Ça gâte tout. Hein. Non, ce n'est pas logique, même si je n'ai rien. Non. Oui. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te remercie. Okay, merci beaucoup. Alors? Non. Et maintenant, si ton mari a plus d'argent que toi, est-ce qu'il a le droit de te tromper? Non plus. Non plus comment? Il a beaucoup d'argent, donc il a suffisamment d'argent pour avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Bon, tout va se jouer sur la base. Hein. Mm-hmm. Ça dépend de comment vous avez commencé. Oui. Oui. C'est justement de la base dont il est question. Il a beaucoup d'argent. Et tu sens qu'il a il a des tendances à avoir plusieurs femmes. Je vais me séparer. Direct. Oui. Même si tu dépends financièrement à 100% de lui. Je me sépare. Tu te sépares. Parce que c'est pas respectueux. Wow. Je te remercie.